Donc nous sommes 53 rue de la Croix-Bossée. Une jolie maison, 19e, en sous-sol, plus rez-de-chaussée, plus deux étages, de 260 mètres carrés habitables, plus sous-sol, qui fait à peu près 80 mètres carrés. Donc garage ici, accès par porte avec émetteur de parking par ce portail-là. Donc on peut mettre deux, trois voitures si on le désire. Le jardin fait tout le tour, donc rien n'est mitoyen. Un beau jardin, bien paysagé. Voilà les fenêtres du sous-sol, rez-de-chaussée, premier et deuxième. Donc elle est meulière et pierre de taille. Voilà donc le jardin. Donc une exposition plein sud qui est côté jardin et terrasse. Et une exposition plein nord de l'autre côté, forcément. Voilà donc la maison. Très peu de vis-à-vis. Ici, nous avons le bois, nous avons un barbecue. Dans le garage que vous avez vu, nous avons la tondeuse, les tronçonneuses, enfin tout ce qui est utile pour l'entretien du jardin. Voilà, donc beau jardin qui fait donc tout le tour. Un trampoline sur le côté et ici, on voit un accès également par le sous-sol, si on veut accéder à la maison par le sous-sol. Voilà, donc jolie maison, grande terrasse au niveau des réceptions. Voilà pour le jardin. Nous repassons devant et nous allons prendre le perron qui est là. Je vous montre le garage ici, assez spacieux. Voilà, donc nous montons les trois petites marches et nous accédons au rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée, parti pris pour tout avoir ouvert au niveau du rez-de-chaussée. Donc on a salon, cuisine, coin salle à manger, tout ça est ouvert. Ce qui fait un beau coin salle à manger. Alors, il faut que je voie avec le propriétaire s'il remet une table ou pas, parce que l'ancien locataire avait une table, donc il a retiré la sienne. Donc salle à manger avec cheminée, etc. L'accès à la terrasse. La cuisine en face, avec îlot central. Le salon de l'autre côté, avec vitrage industriel, salon avec chenifi, poêle à bois, grande fenêtre sur le jardin. Et on a laissé passer également tout de suite à gauche en entrant dans la maison un bureau. Bureau qui peut être une chambre d'ailleurs. Bureau avec placard et qui va donner sur le devant de la maison. Voilà, parquet au sol. Mur blanc, spot au plafond. Donc joli, bel espace de réception avec un beau volume. Une descente ici vers le sous-sol avec toilette invitée, lave-main et vestiaire. Et accès avec trois portes-fenêtres sur la terrasse qui donne elle-même sur le jardin. Et nous sommes plein soleil avec la vue très dégagée. Avec parasol, table. Voilà, on a un grand kiwi qui donne de l'ombre également si on veut se faire un coin plus ombragé pour l'été quand il fait très chaud, pour les périodes de canicule. Donc c'est un kiwi et on va donner par la cuisine de ce côté-là, avec porte-fenêtre. La cuisine d'ailleurs, avec four, plaque, hotte, four micro-ondes, réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle, tous les ustensiles de cuisine dont on a besoin qui sont là. Il y a les casseroles, les couverts, enfin il y a tout. Il y a tout dans les placards. Donc four, plaque, hotte, micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur, congélateur et le petit électroménager également qui est là. Donc le salon, poêle à bois, chenifi. Voilà, un bel espace. Nous descendons au sous-sol. Donc à mi-palier, on va avoir un grand débarras ici. Toilette invitée avec lave-main. On poursuit.
On va arriver au sous-sol avec ici un grand vestiaire. Donc vestiaire invité, quand les invités arrivent, ils mettent leurs affaires ici. Une grande pièce de réserve qui sert à la fois de salle de sport. Réserve parce que vous avez un grand congélateur supplémentaire et un réfrigérateur d'appoint qui sont là. Et l'accès également à une cave à vin fermée par une clé. Bon, il n'y a plus de vin, mais notre prochain locataire sera ravi de pouvoir mettre son vin à vieillir dans cette pièce qui est très fraîche. Voilà, vous avez des fenêtres en rue de jardin, ce côté-là. Cette pièce de réserve donne accès à la chaufferie. Chaufferie et atelier, parce qu'il y a un grand établi ici. Chaufferie avec un accès vers le jardin, où vous aviez le trampoline. Et à droite, grande buanderie avec lave-linge, sèche-linge. Lave-linge, sèche-linge, fenêtre. Il y a même la centrale vapeur, le fer à repasser. Voilà, il y a tout. Nous remontons vers le rez-de-chaussée et allons accéder au premier étage. Donc par ce très bel escalier, très 19e, une jolie vue d'ensemble d'ici d'ailleurs. Bel escalier. À ce niveau, donc au premier étage, on va avoir trois chambres, un dressing, une salle de bain complète avec baignoire et douche. Première chambre qui est là, qui sert actuellement de salon, télé, avec jolie vue, double vitrage PVC, parquet au sol. Donc c'est un canapé-lit, très belle pièce avec trois fenêtres. En face, grand dressing, penderie étagère. À côté de cette chambre qu'on vient de voir, sur l'autre angle, on va voir la chambre parent avec un grand lit double. Grand lit double, porte-fenêtre. On va donner d'un côté, de ce côté-ci, la vue très dégagée comme dans le jardin. Voilà. Et une troisième chambre qui sert actuellement de bureau, qui est là, qui elle donne sur l'avant de la maison. Côté accès garage. Un couloir qui se prolonge avec toilettes séparées et une grande salle de bain avec baignoire et grande cabine de douche avec douche à l'italienne et douche classique. Trois fenêtres également dans cette salle de bain. Donc c'est une belle salle de bain. Et encore au-dessus, donc deuxième étage. Nous allons avoir ici trois chambres. Un palier, grand palier, où on va retrouver toilette et salle de douche. Une première chambre ici qui va donner sur l'entrée de la maison avec deux fenêtres, avec grand lit double, cheminée, grand lit double, placard, bureau, les deux fenêtres sur le devant de la maison. Une chambre d'enfant à l'heure actuelle, puisque c'est un lit superposé qui donne en angle avec cheminée, pareil. Et là, on est sur l'arrière de la maison avec la vue, avec bureau, lit pour enfant, double vitrage toujours. Et la deuxième chambre, pareil, sur le jardin, avec même configuration, c'est-à-dire le lit superposé, le bureau, placard en angle. Un petit placard ici. Et donc, on va retrouver de l'autre côté du palier les toilettes séparées, placard et une salle de douche avec double vasque. Pas une salle de bain, une salle de douche avec spot à chaque fois au plafond. Je ne les ai pas rallumés, mais vous avez des spots partout. Et une grande cabine de douche. Voilà, carrelage au sol. Belle prestation. Voilà, nous sommes donc 53 rue de la Croix-Bosset.
260 mètres carrés habitables, plus grand jardin, plus sous-sol.